Et voilà, donc c'est. J'ai pas fait attention au château, mais voilà les châteaux. De sorte de grand temple. Mais globalement, voilà, c'est beaucoup d'architecture comme ça. Ça sent leur petit style à eux. J'aime bien. Et les murs, ouais, j'ai pas montré les nouveaux murs. Voilà. Comme les tours là. Et je crois qu'on a. Je réfléchis en fait. Là. Bon, je fais quand même quelques guerriers aigles, c'est quand même pratique pour les archers quand même. Est-ce que je vais encore faire des châteaux? Je pense pas. Enfin, pas en aussi grand nombre que ce que je viens de faire là, en tout cas. Mes vraies recherches, je les ai faites déjà. Faut savoir qu'une faction avec de la cavalerie est toujours très efficace contre les factions amérindiennes. Enfin, les teutons de toute façon sont très efficaces de base contre tout le monde. Donc eux ils sont hors catégorie. Hein. Mais les francs, les slaves, les hongrois. Bon, la faction slave et hongroise vous les verrez avec The Forgotten. Enfin, vous les connaissez pas encore. C'est des factions de cavalerie de base. Donc voilà. L'attaque génocide. Bah bon, j'ai quand même des pertes, mais bon. Ah, j'ai perdu deux soldats dans une armée. Wow. Quand même pas beaucoup de soldats honnêtement vu le nombre de troupes qu'il y avait. Que dire de plus? Enfin, y a pas grand chose à dire de toute façon. Plein de sangliers ici, si vous voulez faire rapidement de la nourriture, vous pouvez. J'aurais pu barricader ici, c'est vrai. J'oublie toujours où je peux barricader en fait, donc j'évite. Donc doute. Donc faire. De toute façon, ça me fait deux moines de plus. Enfin, ça fait deux moines dans mon armée. Et ça va être non négligeable pour la suite. Pouvoir soigner mes unités et continuer à avancer tranquillement, ça va être un excellent point. Surtout vu leur tenacité à mes moines. Moines qui d'ailleurs ont une... sont pas trop mal designement. J'aime bien leur design. Oh, oh.
Alors, au moins, ils sont... l'avantage c'est qu'aussi ils sont tellement tenaces que vous pouvez facilement. Ils peuvent être au combat et capturer une unité sans... en 1v1. Du fait de leur résistance naturelle. Bon, après, j'ai pas forcément besoin qu'ils soient trop forts au combat pour être sincère. Donc voilà. 55 PV, c'est déjà pas mal. Ah donc eux ils passeront jamais à l'âge supérieur hein, les rouges. Ah, les rouges passeront jamais à l'âge supérieur. Ils restent à féodal tout le long de la tout le long. Donc vous pouvez vous permettre facilement de les raser. Je pense que c'est fortement envisageable de les démolir encore plus tôt. Allez, on va faire quelques recherches. Oh mais bon, là c'est un génocide. Alors voilà, c'est un génocide ce que je suis en train de faire. Voilà. Sincèrement, qu'est-ce qu'ils croient me faire? C'est vraiment un petit raid de pacotis ce qu'ils me font. Là. J'ai même pas besoin de battre tout le monde en réalité. Ah, eux ils ont fini. Je vais faire un château là parce qu'il y a pile la place. Et comme ça, moi je suis sûr que cet endroit il tiendra. Ah, donc. Il y a vraiment une recherche qui me manque. Et vous la verrez, c'est pour les tours. Faut savoir que les tours là sont globalement assez faibles par rapport à une amélioration en plus pour les tours qui arrivent. Avec lequel qui arrive cette amélioration? Oh oui, j'avais totalement zappé ce détail. Ah, ils ont tous des châteaux, c'est ce qui reste. Bon, c'est pas un souci. Pas un souci, mais bon, ça demande une préparation un peu plus poussée. Alors vous êtes obligé de passer dans son village en fait. Et je sais plus, je crois qu'il est où. Bon, ça va demander un peu plus de préparation que prévu, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est que je veux.
Faut bien qu'il y ait un peu de change, sinon on va s'ennuyer. Les hommes d'armes, ils préparent, ça on prépare, ça servira à rien quand même. Ouais, ça je m'en souviens encore. Voilà. Va comme Efferville. Voilà. Ça c'est fait. Bon, par contre là on sait qu'ils font des... on sait qu'ils ont leur une technique, donc on sait qu'il y a un château. Par contre, j'aime cette mission en fait, ce qui est dérangeant. Ce qui est dérangeant cette mission, c'est... elle est longue. Et je la trouve pas intéressante en fait. C'est pas celle que je teste. C'est pas celle que je teste. Il y en a une que j'aime encore moins. Que vous verrez plus tard. Ah, c'est pas celle que je teste le plus. Et celle que je teste le plus, c'est... c'est logique aussi que je l'aime pas. De toute façon, moi j'ai un style. À force, vous commencez à savoir quels sont les styles de mission que j'aime pas. Demain, vous me voyez jouer. Par contre, ça peut être intéressant de faire un camp de tir à l'arc pour. Et de faire des. Voilà, en fait vous passez par là. Vous pouvez passer par la porte principale, mais... alors, on a découvert que c'était... voilà, donc à partir du moment là... bah, les béliers, on les envoie. On envoie les béliers. Faut que je remette cette personne là alors. Bah, je suis en train de me faire massacrer. Bah, tu crois que j'arrive à exposer ça? Non, j'ai dit dégommer ça. Voilà, alors on va s'en faire 30. Je me suis fait massacrer. Je me suis fait massacrer.
réparer 10 pompes, ça ira plus vite. Ah, je m'excuse, voilà, vous m'avez vu encore un échec. Et on va envoyer des bombardiers démolir tout ça, hein, ça ira plus vite. Ça ira bien plus vite. Les reliques qui génèrent une quantité d'or monstrueuse avec les Aztèques. Ce qui a un sacré avantage, mine de rien. Et ici. C'est le château qui pose problème, de toute façon. C'est le château, une fois que vous l'avez rasé. Château ou pas, bah, il est rasé. Hein. Donc, là, toutes les recherches ici sont bonnes. Bon, bah, on va faire cette recherche là. Hein, mais... Il reste quelques recherches, on les fait. Hein. Autant les faire. Hein. Je vais quand même préparer. Voilà. Comme toujours ici, il y a des grands endroits où il n'y a pas de bois. Sauf que là, ça se justifie un peu plus vu qu'on est en pleine forêt tropicale. On sait que les chemins sont assez hasardeux. Donc voilà, moi je trouve ça moins choquant sur une map comme ça qu'une map avec beaucoup de bois en fait. Enfin, moi ça me choque en tout cas. Donc il y en a encore 6 de plus qui vont arriver, 3, 6. Voilà, 9. Là par contre les bombes risquent de faire ultra mal. Voilà. Normalement faut faire des combos d'armée là, notamment sur Tabanaka. C'est pas important. Honnêtement on peut s'en passer. Faut juste dégommer. Le problème c'est voilà, c'est comme toujours, c'est le château le problème. Et une fois que vous avez rasé le château, c'est. Tranquille. Là par contre il exagère un peu. Bon normalement j'aurais le temps normalement d'être sauvé. Voilà. Voyez, j'ai sauvé le temple. Vous voyez, j'étais large en niveau de temps. Après, la technique, c'est de foutre des murs devant pour éviter. Voilà. Je l'ai pas fait parce que je comptais pas. Je pensais pas que ce soit nécessaire actuellement. Mais bon, généralement, c'est ceux-là qui posent problème de monastère à défendre. Cool. Give me up.
On peut remercier vraiment. Et bah, bien évidemment, le problème c'est que ouais, il faut une coïncidence, faut que les deux arrivent en même temps sur le même endroit. Pour que ça pose problème. Enfin bon, c'est le jeu, hein, on va dire. C'est ça. C'est bon, on manque ça tout. Voilà, le château est mort. Voilà. Non, 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 vite, vite, vite. On le fout. Chakona. Ah, non, par contre, faut vite les réparateurs. Là, on y est. Chakona. Voilà. Eh ben dis donc. Voilà. Bon ben on recommence hein, on n'a pas le choix hein. Voilà. Ça va que j'ai explosé le château du haut. Ah bah mine de rien c'est du... cette mission là je la déteste de plus en plus. Et c'est pas la pire de... Faut dire que campagne Aztec c'est celle que j'aime le moins parmi toutes les campagnes. Je trouve que la réalisation est mauvaise. On va me dire, ouais, t'es mauvaisement, etc. Mais voilà, c'est mon impression, c'est ce que je ressens quand je joue à cette campagne, c'est que je trouve la réalisation bien moins. Je la trouve mauvaise, ouais. Qu'est-ce que je peux dire de plus que ça? Autant, ça se voit que les factions ont tous été travaillées pour un gameplay particulier, etc. Mais à côté de ça, après, est-ce que c'est jouissif ou pas? Pas forcément. Donc ici, on va envoyer des démolisseurs à la porte. Voilà. De toute façon, ces deux tours-là vous embêteront jusqu'au bout du monde. Faut pas espérer plus. Voilà. Normalement ils ont construit plus de château après. Voilà. Donc ça fait déjà un château de moins. On devrait être tranquille un petit coup. Donc 3 démolisseurs pour une porte. Ah, de toute façon. Maintenant il faut éliminer tous les soldats.
Là, il faut éliminer tout le monde. Bah, il capitule. On a vu raser ses tours, donc c'est plutôt bon signe. Quoique, c'est pas encore bon signe là. Ben, c'est bon signe parce que ça montre qu'il a capitulé, mais c'est pas encore fini. Voilà. Le problème c'est que château ici pose problème. Voilà, donc l'or va remonter. Bon, comme toujours, voilà, j'ai des stocks de ressources, on va plus savoir quoi en faire, ça je vais pas dire le contraire. Mais bon, voilà, c'est peut-être une économie trop forte. Possible. En fait, il faut toutes les troupes que je produis, j'ai besoin. Voilà, ici on y retourne. Niveau or, on a des stocks. J'ai fait un choix, j'ai tellement de bois que j'ai tellement de bois pendant des décennies pour être pour que ça soit vrai, que autant éliminer la production de bois et vraiment se concentrer sur autre chose. Notamment militaire, comme ça permet d'avoir plus vite des meilleurs moins château gars. Même si ma priorité est le forum. Voilà. À savoir que quand vous allez récupérer ce monastère là, pensez toujours à bien le protéger. Souillez notre temple sacré, Aztèque. Les dieux exigent un sacrifice. Voilà, il y aura toujours un bataillon de troupes. Voilà, donc toujours prévoir les troupes. Parfait, ma défense est parfaite. Bon, j'ai peut-être eu un peu de mal. Voilà.
J'ai renvoyé une équipe de scouts, parce que de mémoire, il y a un bateau à récupérer pour traverser. Enfin, j'ai pas souvenance qu'il faut construire un port. Mais bon, peut-être qu'il faut construire un port. Voilà. Je passe à côté de tout ce qu'ils ont. Il y a vraiment pas de bateau. Je suis quand même, comment dire, surpris. Et voilà. Le mieux c'était d'avoir un moine pour le faire traverser directement, mais bon, c'est pas grave. Faut savoir que les Amérindiens faisaient énormément de sacrifices parce qu'ils considéraient que ils faisaient des guerres pour les sacrifices. Le but c'était pas de tuer l'ennemi pour les tuer, non, le but c'était de capturer les adversaires en fait. Durant les combats. Enfin, durant les guerres même de manière générale. Plus vous en capturiez, plus vous montiez en grade. Les guerriers, c'est un peu les soldats de base. Et vu que ça c'est considéré comme des unités d'éclaireurs, on peut facilement aller dans ce temple. Passer une règle dans chaque lieu saint. Et voilà. Voilà, je vais lancer un petit assaut et voilà. Ça va être fini. Mais bon, voilà, vous voyez, avec des soldats un peu entraînés. Et voilà. Ouais, je vais vous montrer quand même ma carte. Bon, ma vidéo est très longue, ce sera en deux parties. Quasiment un peu plus de 35 minutes par vidéo. Mes guerriers se sont emparés des sanctuaires et ont vaincu les Xochimilcos et les Tlatilcos. Nous sommes revenus à Tenochtitlan, chargés de présents pour l'empereur Moctezuma. Jade, plumes et bien sûr, des prisonniers. Après les longues journées passées dans la forêt tropicale, nous étions émerveillés par l'immensité de notre cité au bord du lac. L'empereur Moctezuma vit dans les pièces les plus somptueuses de son palais avec ses épouses et ses concubines. Pendant que nous conversons, il boit du chocolat mousseux dans une tasse en or, alors que des musiciens jouent du tambour et de la flûte et que des femmes masquées dansent. Quand mon oncle a gravi pour la première fois la grande pyramide, il y a de cela très longtemps, pour être sacré empereur, le peuple était en liesse. Aujourd'hui, certains doutent de ses aptitudes à diriger, estimant qu'il est trop indécis et pas assez présent auprès de ses guerriers. Les prêtres de Moctezuma nous ont annoncé le retour prochain à Tenochtitlan de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, pour revendiquer son royaume. Ayant aidé à préparer sa venue, j'ai reçu une nouvelle massue en obsidienne et été promu au rang de guerrier jaguar. Cette nuit-là, fêtes et danses étaient au rendez-vous. L'air était imprégné de parfums. Mais alors que je sortais du palais de l'empereur, j'ai remarqué que le présage planait toujours au-dessus du lac, constellant d'étincelles le ciel étoilé. Ainsi a parlé Quashtemoc, guerrier jaguar de Tenochtitlan.
Et voilà, donc militaire, bon, on va pas en parler. Ressources, voilà. Donc je passe assez vite parce que la vidéo est longue. Je vous remercie de regarder avec moi cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois, ça porte-vous bien. Et à tout le monde.